quelques rituels qui vont t'aider, ok? Que tu dois adopter dans ta vie. Peut-être ta mère ne faisait pas, peut-être ta grand-mère ne faisait pas. Voilà quelques trucs que tu dois adopter. Première chose, le sel. Le sel! Le sel! On se lave avec le sel. On verse le sel au sol, à la maison là, ok? Autour de ton lit avant de dormir. Tu prends, tu verses en fil comme ça. Le sel! Tu prends le sel, tu verses dans l'eau. Tu pries sur cette eau là. Tu laves ton sol avec. Quand tu viens d'aménager dans une maison là, tous les débuts de mois, tu laves ton sol avec l'eau salée que tu as lu des sommes dessus. Ok? Ça enlève les mauvais esprits. Tu prends le sel, tu mets un filet comme ça devant ta maison, devant la porte d'entrée de ta maison là. Ok? Tu peux aussi prendre le sel, tu mets dans les coins de ta chambre ou de ta maison. Tu peux prendre le sel, tu mets sur ta fenêtre, un petit filet comme ça là sur ta fenêtre. Je bloque tout un tas de mauvais esprits ici là. Vous n'allez pas passer au nom de Jésus. Une autre chose encore que tu dois voir et que tu dois faire, le ndindim, ndindim, j'ai parlé de ça dans ma vidéo, je n'avais pas ça. Donc, ma grand-mère disait toujours que jamais ça, mon ndindim, ndindim, on appelle ça jujube, ok? Donc, le jujube s'ouvre toujours par derrière. Donc, celui-ci est fermé totalement, voilà, en ouvrant, tu médites que ce jujube-ci là, comme je vais l'utiliser, que ça m'apporte la grâce, la faveur, la paix, la protection, la paix, la protection. On le dit souvent en 3 et en 7, ok? Si tu prends 3 par exemple. Tu as écrit quelque chose, tu veux, tu vas demander un emploi, un entretien d'embauche, voilà. Tu prends ça, 3, tu l'entres dans la bouche. Mm-hmm. Tu mâches. Comme là, le jujube, c'est sucré dans ma bouche, là. Prenez le sucré, hein. Comme c'est sucré sur ma langue comme ça, là, que toutes mes paroles qui vont sortir aujourd'hui, que ce soit sucré, que ce que je vais dire aujourd'hui, qu'on m'écoute, que j'ai la puissance partout, je vais partir. Tu peux prendre le jujube, tu écrases 7 graines ou 14, hein? Tu mets dans ton sel avec lequel tu te laves là. Tu lis les psaumes sur ça. Mais utilisez tout ça avec la foi et la parole de Dieu. Tu mets ça dans le sel. Et le sel là, maintenant, tu prends petit à petit, tu verses dans l'eau pour te laver avec. Tu peux aussi écraser le jujube aussi. Tu mets dans le sel et tu lances, tu verses à la maison, comme j'ai dit là. Hmm? Tu peux aussi prendre le jujube. Tu ne l'écrases pas. Tu mélanges avec le sel. Ça permet aussi d'enlever les mauvais esprits dans une maison. Voilà. J'espère que ceci va vous aider. Le sel et le jujube. Vous devez aussi ajouter au rituel auquel vous habituez la libation. La libation, c'est quoi? Tu prends une bouteille de jus ou de vin ou de whisky. Tu demandes quelque chose de spécifique. Je ferai une vidéo sur la libation seulement. Tu demandes quelque chose, ok, peut-être tu viens d'arriver, tu n'as pas les papiers dans cette ville depuis. Tu te demandes chaque fois, on tourne ton dossier. Tu prends une boisson. Tu viens d'atterrir peut-être à l'aéroport, tu achètes la boisson. Tu parles, je viens comme ça, par cette eau que je verse, ce jus que je verse, pardon. Je viens demander la faveur vis-à-vis des dieux de cette terre. Voilà. Je vais faire une autre vidéo par rapport.